Mesdames, messieurs, bonjour. Vous êtes dans la chronique du bœuf. Je me suis déplacé en Touraine, au milieu de la France. Je vais vous montrer la demeure d'un très grand chanteur, un grand rockeur britannique qui a acheté son lieu de repos au milieu de la France. Alors, chers téléspectateurs, tenez-vous bien. Je vous présente la demeure de Mick Jagger. Oui, le rockeur Mick Jagger. Voici sa demeure. Le château qui est au fond appartient à Mick Jagger. Donc, lorsqu'il est en France, c'est ici qu'il se repose. Les caméras que vous voyez là, bien sûr, surveillent l'entrée de chez la Rockstar. Voilà, vous voyez bien, le numéro 11 est quelque part là. Et le numéro 9 est là. Donc, c'est la demeure du gardien. Et ici, vous êtes donc chez monsieur Mick Jagger, le rockeur franco-britannique. Cela a été un plaisir de vous montrer combien Mick Jagger aime la France. Voilà, ce grand rockeur, on ne pouvait pas imaginer. Tout le monde s'attendrait s'il s'achète une villa à Neuilly-sur-Seine au cœur de Paris. Mais non, il a choisi la Touraine, une très belle région pour s'installer. Voilà, Possé-sur-Cisse est donc la ville, la commune où Mick Jagger a choisi de s'installer en France. Je vais essayer de voir si un voisin peut me parler. Bonjour monsieur. Il nous a été confié que Mick Jagger vit ici. Là. Bref, c'est l'une de ses propriétés. C'est bien ça. Vous qui êtes de la région, vous confirmez bien cela? Oui, bien sûr, je suis de la région. Moi, j'ai grandi à Noisy, qui est une petite commune qui se situe juste à côté. Ici, on est bien à Possé-sur-Cisse. C'est devant une des résidences de Mick Jagger où il vient de temps à autre et surtout pendant ses vacances. Alors, votre grand-père nous a dit l'avoir vu sortir d'ici au moins une fois. Oui, bien sûr. Moi-même, quand je venais en vacances souvent chez mes grands-parents qui habitent juste en face de chez la résidence de Mick Jagger, des fois, on voyait des hélicos arriver ou des grosses voitures. On se doute que c'est lui, mais il vient seulement qu'une à deux fois par an, pas plus. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir qu'une si grande rockstar a choisi votre village pour, comme résidence secondaire en France? Oh. Comme fait, c'est pas vraiment ma génération, mais on sait que Mick Jagger est une énorme star et forcément ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a une si grande star à côté de chez nous. Merci beaucoup monsieur. Mais de rien. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ouais, le soleil dans les yeux.